إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés au verset 188 de sourate al-Baqarah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى دي dans le sens des versets 188. Ne vous emparez pas mutuellement de vos biens de manière illicite et ne corrompez pas les dirigeants afin d'engloutir injustement une fraction des biens d'autrui alors que vous savez être en tort. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous interdit de subtiliser les biens des autres. Car le musulman aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même et respecte les biens de son frère comme il respecte ses propres biens. Ceci est valable aussi pour quelqu'un qui n'est pas notre frère dans la foi, mais dont ses biens sont sacrés. De même, parce qu'en subtilisant les bienfaits d'autrui, il donne aussi l'occasion à un autre de lui subtiliser ses propres biens. Et dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ne vous emparez pas mutuellement de vos biens. » « Wa la ta'kulu amwalakum » Les biens, il les a attribués à la personne. Car en vérité, les musulmans ne sont que comme un seul corps. Donc quand il prend les biens de son frère, c'est comme s'il avait outrepassé dans ses propres biens à lui. Dans cette optique, entre la subtilisation par le moyen de la contrainte, du vol, de la tromperie dans une transaction, un dépôt ou autre, entre aussi les contrats avec intérêt usuraire, riba, les jeux de hasard dans leur ensemble, car ils sont considérés tous comme une forme de subtilisation de biens par des moyens illicites et illégaux. En font aussi partie la tromperie et l'arnaque dans une vente ou un achat, dans une location ou autre. De même que le fait de faire travailler des salariés et les léser dans leurs droits. Ou bien que des salariés prennent un salaire pour un travail qu'ils n'ont pas accompli ou mal accompli. Pour un travail qu'ils n'ont pas accompli ou qu'ils ont mal accompli. Y entre aussi le fait de prendre un salaire pour des actes d'adoration ou d'offrande qui ne sont pas légaux jusqu'à ce qu'ils soient consacrés à Allah seul. Y entre aussi le fait de prendre des biens de la zakat et des aumônes, des biens de main morte et des testaments par ceux qui n'y ont pas droit ou qui en prennent plus qu'ils n'ont droit. Tout cela entre dans le cadre du fait de prendre les biens d'autrui par des moyens illégaux. Cela est certes rigoureusement interdit, même si un litige survient et que l'affaire est portée devant un juge et que celui-ci qui veut s'emparer de ses biens apporte un argument qui l'emporte sur l'argument du propriétaire légitime de ses biens. Ce qui permet au juge de donner un jugement en sa faveur. En effet, le jugement du juge ne peut rendre licite ce qui est illicite, et vice-versa. Car ce dernier ne juge
que d'après ce qu'il entend des deux parties. Sinon, les choses restent comme elles étaient et ce jugement du juge en faveur de l'usurpateur n'aura aucune valeur légale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si il y a un litige entre deux musulmans qui l'amène à un juge qui juge selon les lois islamiques, il se peut que l'un soit meilleur polémiqueur ou soit plus fort en argument que son frère, bien qu'il soit en tort. Et le juge est un être humain, il ne peut juger que sur l'apparence des choses. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam l'a dit, que parfois il se peut que deux personnes viennent demander son jugement et qu'il juge pour la personne qui a eu des paroles plus éloquentes, alors qu'en réalité il a tort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'il a jugé en sa faveur à tort, alors cette personne il aura pris une part de l'enfer. Si ceci est vrai pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors comment cela pour des hommes après lui? En outre, celui qui apporte à un dirigeant une preuve aberrante et que celui-ci juge en sa faveur, ce jugement ne lui sera pas légal et il sera dans la situation de celui qui usurpe le bien d'autrui en connaissance de cause. Quant à l'avocat qui sait que son client est dans le tort, il ne lui est pas permis de le défendre, car ceci est une traîtrise. Et comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets, et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset 189, il te questionne au sujet des mentions lunaires. Dis-leur qu'elles permettent aux hommes de déterminer le temps et en particulier celui du pèlerinage. La vertu ne consiste pas à entrer dans les maisons en passant par l'arrière, mais elle consiste à craindre Allah. Entrez donc dans vos demeures en passant par la porte et ayez la crainte d'Allah, sûrement vous réussirez. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, dis-leur qu'elles permettent aux hommes de déterminer le temps. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par sa miséricorde et sa compassion envers ses créatures, a fait que les croissants de lune commencent faibles au début du mois. Le croissant de lune commence faible au début du mois. Puis il augmente au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il atteigne sa moitié, puis sa plénitude, avant de diminuer de nouveau, et ce afin que les hommes puissent connaître et déterminer les temps de leurs actes d'adoration, comme le jeûne, les périodes de la zakat, les expiations, le pèlerinage, etc. Ces mentions permettent aussi de connaître les délais et les échéances des dettes reportées, les périodes de location, les périodes de viduité et autres choses dont ont besoin les hommes. Allah tabaraka wa ta'ala en a fait un calcul que tout à chacun, petit ou grand, illettré ou savant, peut connaître. Si le calcul se faisait au moyen des années solaires, peut-être que les gens ne pourraient comprendre. Puis quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, la vertu ne consiste pas à entrer dans les maisons en passant par l'arrière. Ceci s'agit d'une pratique que les Ansar, que les auxiliaires, ainsi que d'autres Arabes faisaient. En effet, lorsque ceux-ci se trouvaient en état d'ihram, c'est-à-dire en état de sacralisation, ils n'entraient pas dans leur maison par les portes, en croyant que c'était là un acte de dévotion. Alors Allahu tabaraka wa ta'ala les a informés qu'il ne s'agit nullement d'un acte de dévotion, car ce n'est pas lui, subhanahu wa ta'ala, qui l'a prescrit. Or, quiconque veut adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, avec un acte cultuel qui n'a pas été prescrit par Allah, tabaraka wa ta'ala, ni par son messager, celui-là a essayé d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, par une invention religieuse, c'est-à-dire une innovation, une bid'a. Et une bid'a, ce n'est pas un acte de dévotion, comme il est dit dans ce verset. La bienfaisance ou la bonté ne consiste pas à venir, à entrer dans les maisons par l'arrière, à entrer dans les maisons par l'arrière. Donc tout acte qui n'est pas fait selon la législation islamique, toute adoration innovée n'est pas de la piété ni une bonne action qui est aimée par Allah tabaraka wa ta'ala. On peut déduire aussi de ce verset qu'en toute chose, l'homme est tenu d'opter pour la voie la plus facile et la plus accessible tant que c'est dans le halal. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait deux choix dans les choses licites, il prenait la plus facile. Bien sûr, si par contre le choix n'est pas entre deux choses licites, alors la personne n'a pas le choix en réalité. Il doit
opter pour ce dans quoi il y a la piété et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que quand il y a divergence entre des savants, il n'a pas le choix de choisir ce qui est le plus facile, car ceci reviendrait à suivre ses passions. Et Allah nous a interdit de prendre nos passions comme divinité et de suivre les facilités, car ceci ne ferait pas partie de la religion de l'islam. La personne, elle viendrait avec une autre religion. En réalité, ce qui est obligatoire, c'est de suivre la vérité et non pas ce qui est le plus facile, sauf dans les affaires dans lesquelles la personne a le choix. De même, celui qui ordonne le convenable et interdit le blâmable doit prendre en considération la situation des gens auxquels il s'adresse, en utilisant avec eux la douceur et la diplomatie avec lesquelles il peut atteindre le but souhaité. Il en est de même pour l'étudiant, l'enseignant et autres chercheurs de connaissances qui doivent utiliser les voies les plus accessibles et les plus faciles pour atteindre leur but. Puis Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant de la bienfaisance, la vertu, il dit, elle consiste à craindre Allah. C'est là la véritable vertu qu'Allah a ordonné, à savoir se conformer à ses préceptes et se détourner de ses interdits. C'est cette vertu-là qui est la cause du salut et de la délivrance. Aussi, celui qui ne craint pas Allah, tabaraka wa ta'ala, n'a aucune voie vers le salut. Et celui qui le craint obtient le salut et la réussite en ce monde et dans l'au-delà. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.